Dans ce tuto, nous verrons comment nous équiper pour nager en eau froide. Pour cela, il vous faudra votre monopalme Neris et votre masque Neris, un poncho, une petite ceinture de plomb, votre combinaison néoprène, un sac étanche, et si vraiment vous êtes frileux ou frileuse, équipez-vous de chaussons, de gants et d'une cagoule. Il faut savoir que votre combinaison ne vous enlèvera pas de sensation de glisse en nageant monopalme, mais par contre celle-ci vous fera flotter. Pour cela, il faut donc rééquilibrer votre poids avec une petite ceinture de plomb. Munissez-vous d'une ceinture de plomb, cela se trouve dans les magasins de plongée ou magasins de sport, et surtout renseignez-vous sur le nombre de kilos de plomb à mettre autour de votre taille. Le nombre de plombs dépend de votre poids et de l'épaisseur de votre combinaison. Quand vous fermez votre ceinture, par mesure de sécurité, faites une petite boucle et glissez-la sous votre ceinture. Répartissez bien les plombs autour de votre taille. Et vous voilà équipé pour une nage en eau froide. Pour toute nage en milieu naturel, ne vous aventurez pas dans une mer agitée, préférez une eau calme. De même, ne partez pas nager seul, faites-vous accompagner. Pour ne pas avoir de buée dans son masque, vous pouvez la veille étaler un peu de dentifrice à l'intérieur de votre masque, le laisser sécher, puis le rincer à l'eau claire. Et vous voilà prêt à profiter pleinement de votre monopalme Neris en eau froide ou tempérée. Comme vous le voyez, la ceinture de plomb ne fait que vous rééquilibrer. Elle ne doit en aucun cas vous faire couler. Vous ondulerez comme si vous n'aviez pas de combinaison et profiterez des mêmes sensations. Comme vous pouvez le voir, à la verticale, vous devez rester en surface et ne pas couler. Utilisez la petite boucle faite tout à l'heure pour lâcher votre ceinture de plomb en pleine mer en cas de besoin. Tirez sur le bout de votre sangle et lâchez votre ceinture. Détachez facilement votre ceinture grâce à cette petite boucle. Tirez sur le bout de la sangle et celle-ci tombera au fond sans problème. Il ne reste plus qu'à sortir de l'eau, se réchauffer rapidement et ne pas oublier de rincer son matériel à l'eau douce.